زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن نه یا فریده خدا، روزی واسه قصه خوردن هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. Nous sommes ici à Paris, sous la belle verrière de Grand Palais. Je m'appelle Surena Pariskar et je suis artiste peintre. Fidèle au principe de l'émission, nous sommes allés à la rencontre de Surena pour apprendre à mieux le connaître ainsi que son parcours artistique. Nous sommes à Paris, avenue Winston Churchill, devant le Grand Palais, où a lieu le Salon des artistes français. Ce salon a commencé son activité depuis le XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. C'était à cette époque-là que les académies d'art, telles que l'art du spectacle, le théâtre et l'art plastique, sont créées pour la première fois. Depuis cette date, ce type d'exposition, qu'on appelle le salon, a commencé à exposer leurs œuvres de membres d'académies. Le salon donnait possibilité au public de passer voir les œuvres des artistes. Avant cette date, ce n'était pas très courant que les gens puissent observer de près les créations des artistes. Les artistes exposaient entre eux et critiquaient leurs œuvres. De plus, le critique en art a commencé dans ce salon précisément. Depuis 1901, ce salon a créé son événement annuel tous les ans, sauf pendant les guerres mondiales. À partir de 1901, on appelle ce salon le Salon des artistes français, qui a continué à travailler jusqu'à aujourd'hui. Je pense que cette année, c'est la 226e itération de ce salon. J'ai le plaisir de pouvoir participer à ce salon cette année parmi d'autres artistes français et internationaux. Cela fait maintenant un an et demi que j'ai déménagé à Paris. J'ai connu ce salon l'année dernière en tant que visiteur et cette année, j'ai le plaisir d'y exposer. Grâce à cette série d'émissions, un invité iranien, on a rencontré des artistes sympathiques et prometteurs qui nous ont raconté quelle place la peinture occupe dans le monde actuel et quelle est la perception du grand public vis-à-vis de la peinture. Ça, c'est une de mes toiles choisies pour être exposée dans ce salon. J'avais envoyé de peinture et les juges ont choisi celle-ci. C'est une peinture abstraite que j'ai créée avec de la matière. Le sujet de cette peinture remonte à l'année 2014. À cette période, je travaillais en ayant en tête le monde de manière globale. Il reflète mon point de vue sur le monde d'aujourd'hui, qui va mal. Le monde est moins léger. Il nous montre sa face violente et cela se reflète dans la toile par l'aspect carbonisé, comme déshumanisé. Je suis un artiste abstrait, pas un artiste narrateur. J'ai donc essayé de montrer ma vision du monde à travers une peinture abstraite et de manière évidente pour moi, avec de la matière. Au final, le résultat a donné cette toile et aussi la série entière que l'on va voir. Pour créer cette texture, je joue avec de la quantité de matière, la chaleur que je donne de face et de derrière. Ce n'est pas facile de gérer la texture et les craquelures que j'ai envie de faire apparaître sur la toile. Mais avec ces dernières années d'expérience, je suis arrivé à maîtriser cette technique. Comme vous le voyez dans certaines parties de la toile, il y a des craquelures plus profondes et plus ouvertes. Parfois, elles sont profondes d'un centimètre et demi. Nous avons aussi des petites craquelures minuscules de différentes formes. Puis, je mets la dernière couche qui est du rouge.
Cette texture craquée et cette couleur rouge et noire dans la peinture que vous voyez s'expliquent par toutes les images qui me traversent l'esprit en travaillant. Ma technique et le choix de l'abstraction transforment ces images en motifs avec ces couleurs et cette texture. Les images qui traversent mon esprit représentent ce que l'homme a fait de la nature contre elle. Malgré tout ce qu'on fait de mal, la nature n'a pas de langue pour se plaindre. Une partie de mes œuvres a une texture à thématique volcanique. J'ai toujours dit à mon entourage que les volcans, pour moi, ça pouvait être une manière pour la Terre de se plaindre, de nous montrer qu'elle est fâchée. Il y a une œuvre intitulée « Volcan numéro 1 » que j'avais exposée au Salon Réalité Nouvelle, avec laquelle j'ai remporté le prix d'Arcité en 2016, qui présente mieux encore cette notion d'espace volcanique. Cette série a débuté quand j'habitais à Strasbourg, où j'ai terminé mes études de master. Je venais d'arriver d'Iran et je vivais une situation un peu difficile. Lors de la première année, j'ai envisagé de changer de voie, notamment parce que la dernière série de mes peintures en Iran était très différente et que ce changement a pris du temps. Cette série, notamment cette toile et celle qui a obtenu le prix, sont mes deux meilleures œuvres créées à Strasbourg dans ces conditions difficiles. J'ai démarré cette série dans un petit studio de 20 mètres carrés. La surface du studio où je pouvais travailler était vraiment réduite. Et je peux même dire que l'espace disponible de mon studio avait exactement la taille de cette toile. En plus, je travaille par terre et je ne peux pas travailler sur un chevalet à cause de la matière que j'applique sur la toile. Je ne peux donc pas mettre ma toile debout. Ceci au moins pendant quelques semaines, devant attendre que ça sèche. Pour sortir de chez moi, je devais tout enjamber. Le succès de cette série, initiée en 2014, se vérifie jusqu'à aujourd'hui, où l'on peut voir une œuvre de Surena exposée sous la merveilleuse verrière du Grand Palais, à côté d'autres artistes qui sont venus des quatre coins du monde. Il y a beaucoup de galeries et de collectionneurs qui viennent choisir leurs nouveaux artistes dans les salons comme celui-ci. Si un artiste indique dans son CV qu'il expose dans ce salon ou il a exposé dans ce salon, les galeries se renseignent auprès du bureau d'organisation du salon. Et si un artiste vend sa toile au salon ou il gagne un prix, c'est alors une bonne promotion pour lui. La particularité des œuvres de Surena, c'est leur texture et les couleurs qu'il utilise. Les matières en relief, craquelées, avec diverses épaisseurs, sont remarquables. Je suis né en 1982 à Béchar, au nord de l'Iran. Ma mère est de la communauté kurde qui émigrait au bord de la mer Caspienne, dans le département d'Ozarmarz, qui inclut 4 villages avec des habitants kurdes émigrés. Je ne connais pas très bien leur histoire, quand et comment ils se retrouvent là-bas. Mon père vient de région de Khorasan, nord de l'est de l'Iran, Khorasan al-Azavi plus précisément. Moi, je suis né à Béchar et j'ai 3 frères et 3 sœurs. À part mes 2 dernières sœurs, qui sont plus jeunes que moi, les autres sont plus âgés et chacun a sa propre famille. Quand je me suis retrouvé à Paris et à l'aéroport d'Orly, l'ambiance de l'Europe d'un pays étranger a été une expérience choquante. J'ai eu peur. Ceci au point que s'il y avait un avion de retour tout de suite, j'aurais fermé les yeux sur mon rêve, mes objectifs et je serais rentré en Iran.
parce que c'était la première fois que je venais en Europe. Pendant 2 jours, j'ai séjourné et je me suis baladé à Paris. Et j'ai fait des découvertes de choses merveilleuses avec la visite des zones touristiques comme tous les touristes qui arrivaient à Paris. Par exemple, la Tour Eiffel et quelques musées, ça a changé mon humeur et j'étais content d'être ici. Puis, je suis parti à Strasbourg pour m'installer pour mes études. J'ai validé mon master. Pendant cette période, j'ai expérimenté de nouvelles techniques et de temps en temps, nous avons exposé avec mes camarades. Avant, je faisais une recherche de couleurs et de textures sur l'architecture traditionnelle iranienne. Après, j'ai simplifié mon travail vers l'abstraction et comme vous voyez, au final, elle est devenue récemment plutôt texture et matière. Et voilà, c'est mon petit atelier à Paris, dans le quartier du parc des Buttes-Chaumont. Quand j'ai terminé mon Master 1 pour Master 2, j'avais besoin d'un sujet pour continuer ma recherche et ma démarche. Le sujet qui m'a traversé l'esprit automatiquement à l'époque débutait par la nature. Je ne parlais que de la nature, puis j'ai constaté que mon sujet existe dans notre quotidien. Et au final, dans notre vie aussi, on sent clairement. Pour m'exprimer plus clairement, je peux dire la souffrance inhérente de la vie, qu'on observe chez tout le monde de la façon différente. On peut même le voir de façon plus vaste dans la société et dans le monde. Tous les événements catastrophes qui se passent aujourd'hui autour de nous, et on le ressent, m'ont influencé et attristé. Cela m'a donné envie de le montrer à travers mes peintures en utilisant la matière et créant cette texture et ces couleurs particulières. J'ai plutôt étudié l'expressionnisme et l'expressionnisme abstrait. Il y a pas mal d'artistes qui ont travaillé là-dessus. J'avais envie de savoir si l'expressionnisme abstrait existe encore aujourd'hui en 21e siècle et comment il pourrait se présenter. Quand j'ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2014 que j'ai commencé cette série, je ne sais pas si l'expressionnisme abstrait existe encore. Si oui, à quoi il ressemblait? Il est évident pour moi qu'il y a des artistes que j'ai pris pour référence et chacun d'eux pour une raison différente. Je peux donner l'exemple d'Alberto Burri, un artiste italien, Anselm Kiefer, l'artiste allemand, ou Jean Fautrier, un artiste français. Je les ai choisis car soit ils ont travaillé sur un même sujet, soit c'est leur technique qui m'a intéressé. Par exemple, Alberto Burri, l'artiste italien, était médecin pendant la guerre et il voulait nous montrer les images douloureuses qu'il a vécues pendant la guerre à travers ses toiles et avec sa propre technique. Son sujet et sa technique me plaît beaucoup. Il y a aussi Pierre Solage, un artiste français, qui utilise le noir avec une texture qui lui est propre. Ce dessin est le reste de mon exposition de dessins dans une galerie à Bordeaux. J'y ai exposé une série de dessins à la plume sur carton, papier et la toile. Dans cette série de dessins, le sujet était la nature. On voit que la nature est toujours présente dans la série de dessins aussi bien que dans la peinture. Dans la série de forêts noires, nous voyons aussi l'espace noir, sombre, froide et la tristesse. J'ai choisi l'élément de l'arbre pour représenter la nature. Je pense que cela vient de mon attachement aux arbres et mon enfance passée à proximité de forêts. Au fond de la galerie, il y avait un grand mur de 36 mètres carrés et on a décidé que je fasse un grand dessin de la taille d'un arbre. J'ai changé les techniques de dessin en raison de la taille, mais j'ai essayé de garder sur ce grand mur le même effet que sur les petits dessins. J'ai donc choisi l'arbre en représentant de la nature,
tel que je l'ai évoqué avant, et la femme en tant que représentant de l'humanité. Parce que je pense que, personnellement, ces deux éléments, la nature et les femmes, ont besoin de plus d'attention et de respect. C'est mon point de vue personnel et ceci concerne le monde entier au-delà des cultures. Si vous cherchez bien, vous retrouverez la silhouette d'une femme cachée dans l'arbre. J'ai essayé d'emprunter directement l'élément de la femme dans certains dessins. Un mois après avoir fini mon mémoire en juillet 2014, je suis reparti en Iran. Ma famille et mes amis m'avaient manqué et je voulais leur rendre visite. J'avais aussi envie de partager mon expérience en France avec mes amis artistes iraniens. C'est aussi pour créer le réseau artistique après ces dernières années de distance. C'est pendant que ce voyage, j'ai rencontré ma femme française en Iran. Et une nouvelle page de ma vie s'est tournée. Elle m'a beaucoup aidé, notamment pour créer mon réseau et le site, etc. Avec quelques amis qui habitent dans les grandes villes en Europe, comme Berlin, Rome, Strasbourg, Paris, on a créé un réseau qui porte le nom de NIVA, Network of Iranian Visual Artists, pour donner le moyen aux jeunes artistes doués et connus en Iran à présenter et faire connaître le travail ici en Europe. Une partie des activités de notre réseau est de trouver les appels projets et les appels de résidence partout dans l'Europe, les traduire et diffusé auprès des artistes iraniens. En effet, la scène artistique iranienne, et notamment téhéranaise, est très dynamique et a vu de nombreux talents émerger ces dernières années. La difficulté est parfois l'impossibilité pour ces jeunes artistes de voyager, de se rendre à l'étranger, ceci les empêchant de montrer leur travail et de se faire connaître à l'extérieur de l'Iran. Et pour finir, je remercie le groupe de Jam TV de m'avoir laissé la chance de présenter ce que je fais. J'ai été ravi de vous rencontrer et de passer quelques jours avec vous. Je me permets d'avoir quelques mots pour les jeunes artistes iraniens qui ont envie d'avoir une expérience analogue à la mienne de venir en Europe. Il ne faut pas désespérer, il faut poursuivre et tenter sa chance. Je suis certain que vous atteindrez votre but bientôt. Ici en France, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs et des grands artistes. Monsieur Dariush Merjoui, un cinéaste, et Monsieur Abolrassem Saidi, un grand peintre iranien. Tous les mots qu'ils m'ont dit et les remarques qu'ils m'ont faites étaient intéressants et m'ont été utiles dans ma démarche artistique. هنر نقاشی سینما تئاتر همه چی همش موزیک به خصوص می ایده است فقط ایده است.
یه ایده جدید باید بیاری چیزی که تالا نبوده یعنی ایمیتاسیون یه اصلا معنی نداره میدونی مثل تالاری یا مثل بنگو بخواه مثل نقاشی رو کنی اصلا هیچ معنی نداره یه شده یه سری همجوری آره یه شده بعد یه شده جدید بیاری این قسمت از برنامه میهمان ایرانی نیز به پایان رسید اما دوربین میهمان ایرانی کماکان راه خود را ادامه خواهد داد در هفته‌های دیگر نیز باز میزبان ما باشید تا آن زمان بدرود نمیگویم که چو بخت و عمر دست به دست یاری کنند باز خواهد گشت در پناه یگانه باشید زندگی کنیم